Et avant d'aller à votre rencontre et voir si vous faites des affaires dans le magasin Chronostock, on vous l'a dit, notre invitée ce mois-ci, elle nous fait le plaisir d'être avec nous, c'est Sophie Favier. Bonjour, bonjour Sophie. Bonjour David. Comment ça va? Et toi? On est ravis de t'accueillir ici. Mais partagé. 50 rue de la Pompe, on vous l'a dit, c'est le plus grand magasin éphémère de France. Alors Sophie, la première question, comment tu as découvert toi le principe du magasin Chronostock? Bêtement, figure-toi, en me promenant, parce que c'est vrai que c'est un quartier que j'affectionne particulièrement, il y a de très jolies boutiques. Ouais. Et vous êtes extrêmement bien placé, bravo. Chronostock, trop fort. Bon, je pense que tu as des produits stars que tu as pu découvrir toi aussi dans le magasin. Avant ça, qu'est-ce que tu en penses de ce principe de vente éphémère? Alors, on est là un moment, génial. Puis on n'y est plus après. C'est génial parce que ça laisse libre cours à son imagination. Et j'ai l'impression quand même que pour être là depuis un certain temps avec toi, David, c'est que les gens viennent, il y a peut-être le fruit du hasard, mais les gens se promènent et découvrent au fur et à mesure. Et puis, c'est très festif, coloré. C'est vrai. Et je pense qu'il y a un parcours initiatique. Hein. Ça doit être extrêmement bien étudié. C'est bien étudié, c'est vrai. Voilà, mais bravo. En tout cas, je trouve que l'idée, en effet, de l'éphémère, il y a le mot un peu éphémère, donc urgence. Mm-hmm. Hein. Donc, du coup, c'est un peu achat compulsif. On est un peu dans notre société de consommation. Alors, un produit star peut-être parmi tous les produits que tu as découverts, est-ce qu'il y en a un qui t'a plu particulièrement? J'ai fait une petite table. Et c'est ça que tu nous as préparé, regardez, pas mal. Hein. J'ai travaillé. Hein. Non, mais j'aime beaucoup la pâtisserie, j'aime beaucoup la cuisine en règle générale, mais j'aime particulièrement le sucré. J'aime beaucoup tout ce qui est à base de silicone, parce qu'en fait, ça passe au four, ça se rince très bien, on le démoule parfaitement bien. Et ça, j'adore, C'est un des produits stars, hein, d'ailleurs, Sophie. Hein. Mais j'en suis sûre, et en plus, des couleurs très festives, très sympas, adaptées à une jeune clientèle. Et voilà, c'est aussi bien pour les petits que pour les grands. Et alors, tu nous as même ramené, regardez-moi ça, des cupcake. Ah oui. Alors ça, c'est super sympa à faire en termes de dessert. Les recettes sont faciles à faire? Alors, il y en a plein sur Internet. C'est plutôt, je dirais, globalement facile, mais il faut avoir du temps. Ils sont particulièrement jolis. Et ils sont vraiment très, très beaux. D'ailleurs, on peut remercier cette belle boutique Oh Mon Cake que vous pouvez retrouver rue Saint-Honoré. Vous avez effectivement tous ces produits-là pour pouvoir les reproduire chez vous, parce qu'on est aussi un peu un petit chef chez nous. Sophie, on aime bien faire de la cuisine. C'est formidable. C'est plutôt bien aussi de s'y mettre derrière les fourneaux. Vous savez vous-même cuisiner? On dira oui, mais bon, à peu près. Bon, infiniment merci Sophie d'avoir accepté notre invitation. Ravie. On se retrouve bientôt aussi. Un livre qui marche très bien, on le rappelle. Sur les régimes, je vais moins vous faire rire, mais avec Pierre Ducamp, oui. Et puis la voyance aussi, on n'oublie pas le site internet. Le site internet, mais ça, vous me marquerez tout ça. Vous verrez tout ça sur le site internet. Ça marche. Merci infiniment, Sophie. J'étais ravie. À bientôt. Vous restez là. On va aller encore faire un petit tour avec Sophie dans le magasin. Et puis, on va venir, bien sûr, à votre rencontre pour voir si vous êtes vraiment ravis des affaires qu'on vous propose ce mois-ci. Ici, à Chronostock, on y va.